Bonjour les traders, vous êtes sur le site de Philippe Trade. Alors ceci est mon portefeuille, c'est le même portefeuille que je vous ai montré dimanche. Nous sommes lundi 22 mai 2017. Les marchés viennent de fermer. Excusez-moi. Alors aujourd'hui, mon portefeuille a été valorisé de plus 6,70% d'augmentation. J'avais un portefeuille de 27 000, il est passé à quasiment 29 000. Plus 6,70% aujourd'hui. Alors on va regarder ce qui s'est passé. Mes comptes, portefeuille en temps réel. Alors hier, sur la vidéo d'hier, combien pour débuter en bourse? Je vous avais parlé d'Adocia. Si vous regardez à nouveau la vidéo, vous verrez que j'ai bien 960. Prix de revient unitaire, 19,99€. Ici, j'étais en moins-value latente. J'étais à moins 98,86%. Euros. Moins 98,86€. Aujourd'hui, l'action Adocia a monté de 7,74%. Donc, aujourd'hui... Ah, je vais mourir, je n'ai beau, moi. Aujourd'hui, l'action a monté, j'ai gagné 1379,54. Mais en fin de compte, il faut pas que je dise ça. C'est une erreur. C'est une erreur de dire, ah ben tiens, j'ai gagné 1379, j'ai gagné 7% aujourd'hui. Ce qu'il faut maintenant, il faut que je mette des stops. Alors, vous cliquez sur Adocia. Donc là, je l'ai acheté en liquidation. J'en ai acheté pour 960. Donc là, c'est au comptant. Il faut remettre en règlement différé. Vendre. Je vends 960. Alors là, moi je mets la fin d'année. À seuil de déclenchement. À seuil de déclenchement. Alors, j'ai décidé de mettre un stop à 20,83€. Validé. Accepté. Validé. Voilà, donc là je suis sûr de gagner 811€. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a monté? Ingenico, oui, Ingenico. Alors j'ai supprimé, je vais mettre un stop aussi. Donc là, vous voyez Ingenico au prix de revient unitaire. J'ai acheté 83€. Là, le cours est à 86. Je suis en plus-value de l'attente de 149€. Donc pour pas tout perdre, pour être sûr de gagner, pareil, Ingenico. Donc là, j'en ai 58 en stock. Vendre, je revends mes 58. Donc là, Ingenico, je l'ai acheté en liquidation aussi. Vendre. Règlement différé. À la fin d'année. À seuil de déclenchement. Et là, j'ai décidé de mettre un stop à 85,64. Validé. Validé. Non. Voilà, ça c'est fait. C'est pas encore apparu là. Alors, après, aujourd'hui j'ai acheté IT-Link. J'ai vu, j'en ai parlé dans les commentaires. Si vous lisez les commentaires, vous verrez que. J'ai dit aujourd'hui j'achète IT-Link.
Donc l'action, elle a monté de 12% aujourd'hui. J'en ai acheté pour 30% de mon portefeuille. Ouais, moi, j'y vais pas avec le dos de la cuillère. Pourcentage 12%. Aujourd'hui, j'ai gagné sur cette ligne plus 5,8%. J'ai gagné 406 euros. Je l'ai acheté à 15,50 € et l'action est à 16,40 €. Alors, ah, j'ai pas, ah, je sais pas là, j'ai pas encore, il faudrait que je vérifie que il faudrait que je regarde où je mets mon stop. Alors, un dossier assez fait. Alors, Paro. J'ai décidé de monter mon stop aussi de Paro. Alors, mais par contre, en cours d'annulation, je sais pas encore, je crois que ça va pas marcher. Paro. Bah là, j'ai acheté en liquidation aussi. D'habitude, j'achète toujours comptant, et là, j'ai décidé d'acheter beaucoup plus. Mais c'est ce que je fais, c'est pas toujours ce qu'il faut faire, hein. Je suis en liquidation, j'en ai 550, je vais vendre 650. Alors, fin d'année, un seuil de déclenchement, donc là j'ai décidé de monter le stop à 9,59. 9,59, validé. Ouais, ils mettent vente à découvert interdit parce que, en fin de compte, j'ai encore, il faut attendre que l'ancien cours, l'ancienne pente, elle soit annulée. Elle n'est pas encore annulée, vous voyez. Comme ça, après, mon ancien stop était à 9,40. J'ai décidé de le monter à 9,59. Il faut que ça soit hors en cours d'annulation. Il faut que ça soit annulé. Je peux pas annuler deux fois, quoi. Ils comprennent pas parce que ils pensent que je veux vendre 550 actions à découvert, et puis alors que c'est celle-là que je veux vendre. Alors, UFF, ça c'est une action qui a un bon rendement. Je l'ai acheté à 27 euros, elle est à 30. Je suis déjà en plus-value latente de 275 euros. Là, 14%. Ouais, je suis déjà à 14% d'augmentation et j'en ai pour 9% de mon portefeuille. Et aujourd'hui, elle a monté, variation de la veille, aujourd'hui elle a monté de 1,31. 1,31 plus 14, donc là je vais mettre un stop pour pas tout perdre, pareil. Alors UFF, donc là j'en ai 72, donc là par contre, vous voyez, c'est une action que vous pouvez acheter qu'en comptant, donc vous pouvez la vendre qu'en comptant. Comptant, je la vends, alors j'en ai 72. Alors, vous n'êtes pas obligé de revendre les 72, hein. Je pourrais en vendre que 30 ou 50. Je pourrais faire plusieurs paliers. Bon, mais là, bon, je vais vendre 72. Alors, à la fin de l'année, ça, je suis tranquille. À seuil de déclenchement. Alors, UFF, j'ai décidé à 29,99. Le cours est à 30,99 €, 30,90 €. Si elle descend en dessous de 29,99, voilà, ça sera exécuté. Invalidé. J'aurais pas tout perdu. 27, ça sera vendu à 29,99. Là, justement, c'est ce qui s'est passé à Onxéo, vous voyez, Onxéo. Là, Onxéo, aujourd'hui, j'ai perdu 200 euros.
Onxéo, j'avais mis un ordre à 2,99€. L'action est venue toucher les 2,99€. Mon ordre a été exécuté, mes actions étaient vendues à 3€. Et l'action est en train de remonter à 3,03€. J'ai vu que j'en ai encore dans mon portefeuille sur mon PEA. Donc il me reste Itelink. Itelink, il faut que je regarde le graphique parce que pour voir, je le mets pas au hasard à moins 3%, moins 5%, je mets. Faut que je mette sous un ancien plus bas. Et l'action. Il y en a une qui n'est pas passée. Vente. Achat exécuté. Alors j'ai encore Itelink à faire. Alors Adocia. Vous voyez maintenant c'est fait. Vous voyez Adocia, vente en cours de transmission, 960 à 20,83€. Voilà, ça c'est fait. Ingénico. Vente en cours de transmission 85,64, ça c'est fait aussi. Ok. Paro. Ah, c'est Paro qui est en attente. En cours d'annulation. Donc ça, faut que je revienne sur ce site, sur cette bourse pour supprimer Paro et pour vendre Paro et puis pour vendre, mettre un stop à Paro et mettre un stop à Itelink. Voilà, vous avez vu ce qu'il faut faire tous les soirs. Vous voyez, c'est du travail. C'est du travail. Mais bon, de temps en temps, ça fait plaisir quand ça rapporte. Ça fait plaisir. Quand on a raison, ça fait plaisir. Bien, merci. Bonne soirée. À bientôt. Merci de me suivre. Et merci pour les pouces bleus. À bientôt. Au revoir.